Je suis béninois, je viens du Bénin, précisément la capitale historique, Porte Nouveau, voilà. Et ça va, les nouvelles du Bénin, tout le monde se porte bien? Oui, tout le monde se porte très bien au Bénin. Les études? Oui, ça va, on, grâce à Dieu, voilà. Ben, tant mieux, on est content. On est surtout très contente de vous avoir, du coup, toi et tous tes collègues, parce que vous êtes venus nombreux. Qu'est-ce qui t'amène à Lyon? Raconte-nous. Ok, voilà. Et il y a de cela 2 mois, et Métropole, les autorités de Métropole de Lyon, ils sont partenaires avec les autorités du Bénin, précisément mairie de Porte Nouveau. Donc, du coup, ils ont envoyé le projet dans l'entrepreneuriat, dont ils cherchent les jeunes qui à part vraiment les diplômes professionnels à l'université, ce que les jeunes ils ont un peu fait avec le dit doigt et tout. Et du coup, quand moi je suis entrepreneur en métier de pelage et pâtisserie, donc du coup, quand le projet est venu à la mairie de Porte Nouveau du Bénin, la mairie a partagé avec les associations du jeune. Donc du coup, moi je suis animatrice à l'ONG Jeunes Engagés pour la paix, la solidarité et le développement. Donc du coup, quand la mairie a partagé le projet avec vraiment les associations du jeune, j'ai eu l'opportunité de postuler. Après de postuler, on était beaucoup, on était vraiment une cinquantaine de jeunes qui a postulé. Mais une fois nos dossiers étaient renvoyés ici, j'ai eu vraiment la chance, c'est la grâce de Dieu. Je ne sais pas, parce que quand j'ai eu l'email, j'étais vraiment étonnée. Parce que cette année, j'ai fait pour les États-Unis, ça n'a pas marché. J'ai fait pour le Sénégal, ça n'a pas marché. Donc du coup, j'ai fait ça là, comme ça, je ne sais pas. Mais quand j'ai eu l'email, j'étais débordée d'émotion. Mais je dis, c'est la grâce de Dieu. Donc du coup, j'étais tellement contente pour le challenge. Parce j'ai postulé et j'ai eu la grâce de Dieu que c'est moi, ils ont choisi, voilà. Et qu'est-ce qui a démarqué moi, mon CV, c'est ça, c'est mon domaine d'entrepreneuriat, voilà. J'ai fait beaucoup de formations en pelage, en pâtisserie, agroalimentaire, cosmétique, mais actuellement j'évolue dans pâtisserie et le pelage. Donc du coup, c'est ça qui a permis à la Métropole de Lyon de me sélectionner, et voilà. Donc pour recadrer, il y a eu un concours, mais une présélection sur dossier. Ah oui. Et vous êtes combien du coup qui ont été choisis au Bénin? Vous êtes venue à combien? Je suis la seule. Ah d'accord, vous êtes seule béninoise, parce qu'on doit rencontrer un Sénégalais aussi. Voilà. Donc, bravo, parmi une cinquantaine. C'est surtout dans la catégorie perlage ou pâtisserie que vous avez été sélectionnée? Les deux. Les deux? Ah oui. C'est le grand écart un petit peu quand même. Parce que j'ai coordonné les deux. D'accord. Voilà. Machoukourat, alors, World Skills, qu'est-ce que c'est? Raconte-nous un petit peu la semaine que tu as passée et ce que tu as pensé de notre ville quand même. Le World Skills, c'est vraiment une programme international organisé par le Métropole de Lyon qui permet à beaucoup de jeunes entrepreneurs de divers pays, plus de 60, ça regroupe plus de 62 métiers de divers pays de compétition. Et maintenant, il y a une partie qui est dédiée aux jeunes de Youth Forum, les jeunes leaders. Les jeunes leaders, c'est quoi? C'est les jeunes qui sont vraiment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et on vient de divers pays. Et on a des thèmes précis, et on a discuté sur les thèmes défendre vraiment nos thèmes, on a rencontré nos parcours, ce qu'on vivait vraiment dans nos vies entrepreneuriales, et c'est tout, voilà. Et je crois que je suis venue le 9, et vraiment j'ai aimé la ville, j'ai fait un peu de visite de la ville, j'ai aimé. Le 10, c'était le lancement de WhatsApp. J'ai aimé avec tout. Et apparemment, vous étiez arrivé à 17.
de 17 pays africains différents, tu peux en citer quelques-uns. On était 17 ans et chaque leader représente chaque pays. D'accord. Et voilà, parmi eux, je veux citer, moi c'est Maskwa Latouji, il y a Salioussé, il y a Ri, il y a Vincent, il y a Robert, il y a Yusra, il y a Chloé, etc. Donc voilà. Et bien voilà, c'est encore l'Africa Lyon. On est content. Donc oui, je suis très content. Et le 11, on a eu de coach qui nous a coachés sur la prise de parole en public. Donc, et ça m'a tellement beaucoup aidé. J'ai aimé, j'ai adoré. Donc du coup, et ça, voilà. Et on s'est préparé le jour, le 12. On a donné le top et vraiment, grâce à Dieu, l'objectif est atteint. Voilà. Un dernier mot, des petites salutations, des remerciements. Voilà, je remercie tellement le Métropole de Nyon de nous avoir permis d'envoyer ce projet dans différents pays, qui nous a permis aux jeunes de postuler. Et je suis très contente de faire partie de cette Youth Forum parce que ça m'a permis de vraiment d'échanger avec les grandes personnalités du France, de différents pays. Parce que les décideurs aussi, ils sont au nombre de 12 et ils sont de divers pays aussi. Donc, j'ai vraiment échangé avec eux et ça avait vraiment plaisir. Et j'ai aimé. Je rends grâce à eux. Merci beaucoup, un grand merci. Que Dieu les bénisse. Et je remercie aussi les autorités de Bénin, précisément la mairie de Porte-Novo, de m'avoir fait confiance. Et de m'avoir fait confiance d'avoir représenté le Bénin tout entier. Merci beaucoup. Soyez bénis. Voilà.